Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit tuto. Alors, donc, j'ai préparé un peu les découpes. Alors, j'ai fait des découpes comme ça sur un die que j'avais acheté sur la boutique de Panalisa. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai découpé un petit carré. Alors, ce die, j'ai coupé simplement la petite partie diapo. Vous allez voir, on va faire quelque chose de très très joli. Voilà, j'en ai découpé 1, 2, 3, 4, 5 et j'en ai encore d'autres. Hein. Voilà, j'étais partie, j'en ai découpé 10. Voilà, puis on fera certainement un petit tuto avec les petites diapos. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le haut de la diapo. On n'est pas obligé de le laisser entièrement. Si maintenant vous voulez le prendre sur du papier double face recto verso, vous pouvez, c'est pas gênant. Alors, moi j'ai découpé donc 5 parties qui vont me donner un relief au niveau de ce que je vais faire. Maintenant, si vous voulez en faire plus, vous pouvez, rien ne vous empêche. Donc, on va faire une petite création. J'aime bien faire des créations en ce moment. Voilà, bon, en même temps, faut dire qu'en ce moment c'est tellement compliqué pour moi. Je me force à vous faire des tutos. Je suis obligée parce que sans quoi j'avance pas. Alors, donc on va ancrer la forme carrée. Voilà. Hop. Toujours le même avec mes petites encres. Alors, on va faire donc le collage. Si, on va faire le collage. Si. Alors, on va assembler les quatre. J'ai collé les quatre parties et le dernier, j'ai collé la vitre et après, j'ai collé donc le dernier morceau de diapo. Donc là, vous voyez, j'ai tout assemblé, j'ai tout collé. Alors, on va prendre un petit sticker. Alors moi j'ai pris un tout petit sticker champignon. J'avais envie de faire une petite création sur le thème de l'automne. Après vous faites le thème que vous voulez, hein. C'est pas gênant. Voilà, libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Alors on va le coller juste en dessous. Alors vous voyez à peu près où vous voulez coller votre sticker. Ah oui, par contre coller la vitre avec ça. Hein. Ça vous évitera bien des problèmes. Si vous avez une bonne colle, bah c'est parfait. Alors, hop, on va mettre ça là. Là, vous pouvez mettre autre chose, hein, si vous le souhaitez. On va le mettre dessus. Alors, je vais essayer de bien viser. Voilà. Voilà. On va le coller, on va le coller. Voilà. Trop joli. Mon petit pas d'encre vert saphir commence à mourir. Vrai que je l'utilise bien. Alors. Ah, j'ai pas pensé à ça. Bon, c'est pas grave, on va le mettre là. Par contre, je vais prendre un petit papier. J'ai pas envie de tamponner sur mon papier à côté. Bon. Ouais, il est vraiment mort, hein, franchement.
franchement, c'est vraiment à peine. Il aurait fallu que je prenne une encre noire plus visible. Ça va pas le faire. Bon, tant pis, il va y avoir un doublon, mais tant pis. Bon, je vais essayer avec la Momento. Bon, allez. C'est reparti. Tant pis, hein. C'est de ma faute. J'aurais pas dû le reprendre, étant donné que là en dessous, déjà, ça avait pas très, très bien tamponné. Ouais. Bon, il y a un doublon, on le voit. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça m'apprendra à pas faire attention. Oh, j'arrive à rien en ce moment. Voilà. C'est dommage, hein, parce que c'était bien parti. Là, si on veut, on peut mettre des petites perles, des paillettes, c'est comme vous voulez. Moi, je l'ai laissé assez soft. Alors, j'ai fait mes petites étiquettes. Est-ce que si je mets une étiquette blanche, est-ce que ça va choquer? Je vous dis, je n'ai pas décidé en ce moment. Ouais, ça va choquer. Hein. Si, ça va choquer, ça va pas faire beau. Alors, c'est pas grave. On va procéder autrement. Ben, je vais mettre marron sur marron parce que si je mets du blanc, ça va pas faire joli. Donc, on va coller. Et j'aurais pu encore mettre des petits champignons là. Ah, c'est bien dommage. Alors, je vais prendre mon ciseau. On va prendre un petit champignon là. Vous voyez ça, pour faire des petites créations, bah franchement, c'est super. Parce que vous avez plein de petites découpes. Et vous pouvez faire une multitude de choses avec. Et ça, j'avais vraiment pas payé cher. J'avais payé moins de 2 euros, il me semble. Regardez, on pourrait en mettre un. On pourrait en mettre un là. Ah bah attendez, on va en mettre là, là, ouais, ça fait joli ça, oh il y en a des tout petits, c'est chouette. Faire vraiment pas mal de choses. Allez, hop. Ah, ça fait joli. Hop, on peut le mettre là. Regardez. Trop, trop joli. Ça fait trop beau. Alors, je vais prendre des petites... l'étiquette. Hop, le timbre. J'aime bien mettre toujours un petit timbre. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait sur les petits washi. Voilà. On va faire un petit compostage. Regarde-moi ça. Hop. Regardez-moi ça, comment ça fait trop, trop beau. Voilà. Ils sont trop, trop beaux, ces rouleaux. Je trouve qu'on peut faire vraiment des choses vraiment superbes avec.
Et la prochaine fois, on fera une petite création avec des... Je suis en train de regarder. On fera une petite création avec des cachets de cire. On va faire quelque chose d'assez joli. Regardez, ça continue bien. Regardez. Hop, ça on le met là. Bon, bien sûr que le papillon, hein, là. On peut faire vraiment des très très belles choses. Je suis un peu déçue, c'est que j'aurais dû mettre de l'encre plus noire, là. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Alors, vous pouvez faire des petits encarts comme ça, soit pour offrir, par exemple, une petite carte. Vous mettez « Joyeux anniversaire ». S'il y a quelqu'un qui est né en automne, vous pouvez faire plein de choses, plein de choses. Hop, c'est trop joli. Un petit filet comme ça, pour vraiment marquer le petit contour. Faites vraiment un tout petit trait. Voilà. Ça fait trop joli et ça ressort bien la petite étiquette. Vous voyez, ça, vous pouvez faire des petites étiquettes aussi pour mettre dans des junk. Vous pouvez le faire aussi pour offrir à quelqu'un. Vous avez toujours plein de choses à pouvoir faire avec les petits trucs comme ça. À vous de voir ce que vous avez envie de faire sur la journée. Voilà, un petit crayon pour faire le petit compostage. Et c'est parti, mon kiki. Vous voyez comment vous pouvez faire plein de jolies choses. Voilà donc pour le petit tuto du jour. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Hein. Moi, j'étais contente de vous tourner. On peut faire vraiment des très très belles choses avec tous ces petits washi là. Franchement, je suis vraiment très très contente de les avoir pris. Regardez. Tout plein de petits champignons. On va faire plein de belles choses ensemble. Voilà donc pour le petit tuto du jour. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je vais le mettre dans mon junk. Oui, certainement. Ou je vais peut-être en faire d'autres. Je ne sais pas encore. Parce que je fais des petites collections en ce moment. Voilà, j'ai envie de faire des petites choses avec les affaires que j'ai. Voilà. Des fois, on achète et puis on ne fait rien avec. Bah, moi, ça me donne envie de faire plein de belles choses. Voilà, de créer plein de belles petites cartes. Vous voyez, vous en faites tout plein. Le jour que vous voulez envoyer à une copine, bah voilà, c'est fait. Collecte, voilà. Vous pouvez le mettre aussi, c'est dans un carnet. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé au niveau de cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous remplis d'amour, toujours comme d'habitude. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.